Et oui, bonjour, bienvenue sur le 19-20 de TF1. Ici Patrick Arthé avec en compagnie François Sellodarvor. Bonjour, mon cher François, comment allez-vous? Très bien, Patrick, et vous, ça va? Vous avez pas l'impression de faire un petit peu de pub pour votre chaîne, sachant qu'on est sur TF1, Patrick Arthé, TF1, non? Écoutez, si vous voulez pas que je me fasse virer dans les 5 minutes qui suivent, on va éviter ces flatulences quand même. D'accord, très bien. Donc Patrick, aujourd'hui, au programme, qu'est-ce que nous avons comme émission télévisuelle? Alors, nous avons dans la rubrique culture un groupe venant du Poitou-Charentes très en train de construire une bombe artisanale à base de jus d'orange et de emballage de sandwich. Hein. Nous avons sur le plateau plusieurs personnes avec nous, dont le docteur des professionnels. Notre expert en bombe artisanale, en nucléaire et bombe artisanale, monsieur Ivan Pikolovitch. Oui, qui... C'est moi, Ivan Pikolovitch. Voilà. Alors, voulez-vous nous expliquer le fondement de la fabrication de cette bombe artisanale? Alors, justement, dans un premier temps, je tiens à préciser quand même que ces images nous sont données d'une extrême richesse, car notre hélicoptère pirate, justement, est en train de capter ces images, et le balayeur qui était là au moment où le groupe répétait a réussi à s'infiltrer et prendre... C'est nous donner... Essayez de rester, gardez votre calme, docteur. Essayez plutôt de nous expliquer le fonctionnement, s'il vous plaît. Bombe. Ok, très bien. Que pensez, monsieur docteur Fringbo, que pensez-vous de cette critique? Ah, moi, il approuve. Il approuve, c'est bien. Nous avons aussi l'honneur d'avoir monsieur Yamamoto Kekase avec nous. Bonjour, monsieur Yamamoto. Bonjour. Que pensez-vous donc de la fabrication de cette bombe artisanale? Je pense que le moteur serait plus puissant avec de l'huile de neem. D'accord, très bien. Je sens, mon petit François, que nous avons des bons experts avec nous. Hein. Tout à fait, Patrick Arthé. D'ailleurs, là, je suis en train de voir justement ce groupe. Et là, ils sont en train de faire une manipulation bizarre avec une sorte de plastique. Alors, je dirais que c'est du C4 à première vue. Il faut demander quand même... vérification auprès de notre expert en nucléaire, Ivan Pikolovitch. Oui, alors... Je tiens quand même à préciser que la technique reste ancestrale, hein, parce que si on se réfère à la préhistoire, hein, lorsqu'on jouait qu'avec des flûtes sur des os, vous voyez que les aspects sont un peu rudimentaires. Oui, mais peut-être que... Il approuve, d'accord. Il approuve, il est bien ce docteur Fingro, hein, sixième classe de recherche en biologie humaine. Qu'est-ce que vous faites là? D'accord. Et moi on m'a dit que cette bombe a été créée en fait dans le but de redonner le retour du rock and roll, qui font ça en fait avant chaque concert pour pouvoir le jeter dans le public et les rendre addicts au rock and roll. Qu'en pensez-vous, mon cher François? Bah écoutez, Patrick, moi je pense que le rock and roll est une source vivante et il y a beaucoup de gens qui l'oublient aujourd'hui, et donc pour leur rappeler que le rock and roll existe, rien de tel qu'une bombe jus d'orange banane. Bah, exactement, exactement. D'ailleurs, oui. Il approuve, très bien. Eh bien écoutez, c'était la fin de ce reportage, c'était le 19-20, merci de nous avoir suivis, au revoir messieurs, et à bientôt. L'orange, c'est la santé. Voilà. Yeah.